Tu m'entends? Tu m'entends? Tu vas avoir des gros problèmes aujourd'hui. Tu vas avoir des gros problèmes aujourd'hui. Ah, tu rigoles? Ah ah ah! Ok. Ok. Bah aujourd'hui, j'ai fouillé le téléphone de Cécica. Ah, en plus, regardez ce qu'il fait. Ok. Bah, fais le beau. J'ai fouillé le téléphone de Cécica et je me suis enfin, j'ai vu qu'il parlait avec énormément d'influenceuses. Il y a énormément. Certaines que je connais, de France, d'ailleurs choquées, des filles avec qui il a eu des relations et tout, j'étais même pas au courant. Et d'autres, des influenceuses des États-Unis. Mais des grosses influenceuses, genre tellement, je vais même pas dire les noms, sinon les gens ils vont croire que c'est pour du buzz, alors que en vrai, pas du tout, c'est la vérité, mais je le dis même pas tellement que même moi j'étais choquée, j'y croyais pas. Et en fait, je comprends pas, il me le dit pas, il nous raconte rien, ni à moi, ni à Laurent, ni à Emine, ni à Hicham, ni à personne. On n'est pas au courant. C'est une dinguerie, c'est un malade, je vous jure, vous voyez son Instagram, vous pétez les plombs. Quoi? Ok, je viens. Quoi? On pourra pas supprimer la story vu que je l'ai mis à partir de mon portable, je suis obligé de me passer. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me disais quoi? J'entendais rien. Je te disais si t'avais quelque chose à dire. À dire à qui? La communauté, ça dit quoi la team? On est là, on fait un peu de sport, détente. Pourquoi? Cécica, si je te dis compte certifié, ça te fait penser à quoi? Mon compte et il faut que mon snap soit certifié. Ah, il se fout de ma gueule. Pourquoi? Je te donne un indice de plus. Si je te dis fille certifiée, ça te dit quoi? Ça me dit Jazz qui est certifié sur mon snap. Oui, il veut jouer au con. Tant pis, on va devoir sortir les dos. En fait, c'est quoi que tu fais sur snap? Ça veut dire que t'es en train de raconter toute ta vie déjà? Non. Ah, tu filmes tout le temps, tu filmes. Bah, je sais pas, c'est, vu que t'es un mytho, donc voilà, c'est tout. Mais je suis pas un mytho. Bah, si, tu caches des choses, donc à partir du moment où tu caches des choses, c'est que t'es un mytho. Bah, c'est à dire, je vais faire quoi? Je vais prendre mon téléphone et dire, ah, vous savez, la famille, je parle à une telle. Bah, si je parle avec des gens que je te le dirais pas, ça te ferait pas chier. Ou si carrément j'avais eu des relations mais avec si des gens que tu connais que je te le disais pas, ça te ferait pas chier. Mais c'est pas, tu les connais parce qu'ils sont connus, mais tu les connais pas. Oui, bah, c'est pareil. En plus, c'est comme ça qu'ils justifient. Bah, ouais, j'ai raison. Et j'ai raison quand même. Mamie. Ah, mais si, là. Bah non. Désolé, non, c'est pas la logique. Mais attends, mais ça veut dire, là sur Snap, t'as dit quoi? Bah rien. C'est toi qui es en train de te balancer toute seule. Non, sérieux? Bah j'ai rien dit, je suis en train de te balancer toute seule, je te dis. Non, la Snap, j'ai aussi, je vais regarder. Impossible, j'ai changé de mot de passe. Pourquoi t'as changé de mot de passe? Parce que c'est comme ça, maintenant, il n'y a plus que moi qui ai le mot de passe, c'est tout. Mais pourquoi y a que toi qui as le mot de passe? Parce que je contrôle ce qui se passe, c'est tout. Parce que vous, vous êtes trop démentaire, après vous assumez pas, vous effacez les stories. Et t'as dit à tout le monde que t'as changé le mot de passe? Bah je viens de le dire là, du coup. Papa et mamie. La famille, elle, des fois c'est ça son problème. Elle se réveille un matin, elle a des graines de folie et elle change de mot de passe. Alors qu'on doit tous se connecter dessus, parce que sinon on va faire quoi? On va tous prendre le téléphone. Bah ouais. Si c'est comme ça. T'es dans la merde. Bah t'es dans la merde toi aussi, hein, parce que toi aussi t'as des choses à cacher, mon pied. Ah ouais, Emine, ah, Emine, ah, vous aimez bien dire mon nom, mais Emine, il en a des choses à cacher, croyez-moi. Oui. Ça te fait rire? Ah, parce que tu joues à des jeux bêtes. T'es archi bête de jouer à ça. Pourquoi? Bah parce que toi, tu vois, parce que t'es intelligente. Ouais. Mais des choses à cacher, on en a tous. Chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Pas à votre niveau, moi. Bah ça veut dire. Bah ouais. Pas à votre niveau. Des choses à cacher, toi aussi, t'as des choses à cacher. Bah sur la tête de votre. D'ouvrir sa gueule, qu'est-ce que tu fais sur la terrasse là? La nuit, le soir, tu. Pourquoi t'es tout le temps sur les terrasses? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Enfin, que tu fais. Pourquoi? Je tourne la caméra. Tourne la caméra à droite. Pourquoi est-ce que tu montes? Non, même pas. Pourquoi? Est-ce que je tourne la caméra à droite, Emine? Demande-lui pourquoi quand tu montes. Non, ta gueule, je suis en train de parler. J'ai un truc de fou à dire. Vous voyez? Pourquoi quand tu montes dans son balcon, il y a un truc de lumière là, des influenceurs. Avec qui il parle? Non, mais là surtout, il faisait quoi? Il vient de déplacer ce qui se passait à droite. Donc ferme-la. Le mec, il est le mec, je n'étais pas sur ses côtes. Je n'étais pas sur ses côtes. Et il a voulu m'ouvrir. Faut pas qu'il y a que toi qui ait le mot de passe. Parce que si toi tu dis des dingueries, nous aussi on peut dire des dingueries. Mais faut qu'on ait le mot de passe. Mais non, mais sinon toi tu peux effacer et toi t'auras dit une dinguerie sur nous. Mais si c'est calme de dire des dingueries, dis-toi de moi.